Ouais, c'est assez clair de mon côté. Voilà, je viens de démarrer une petite vidéo à l'instant même. Fredo, on était en QSO privé jusqu'à maintenant. Hachi. Voilà, avec une station là, qui vient de faire son grand retour, avec un poste après qui a eu 15 ans d'arrêt. Je me suis dit, là quand même, il faut marquer le coup, là il faut faire quelque chose de sympa là pour immortaliser ça. Donc là, la seconde même, là, ouais, je viens de démarrer la vidéo et je suis actuellement en mobile sur le port autonome de Bassins. Ok, ben ça marche bien puisque bon, même si c'est pas très épais non plus de mon côté, là je t'entends relativement bien. Bon, j'ai pas cherché, j'ai clarifié peut-être un petit peu, je sais pas, à moins que ce soit que tu sois pareil que Fredo. De mon côté, là ça marche bien quand même, hein. Même si c'est pas épais comme je disais là tout à l'heure, mais ça passe bien quand même. Ouais, et je pense qu'il est assez actif là, même après 15 ans, tu vois, il se réveille bien parce que, s'il te plaît, je peux parler tranquillement à la radio là, je l'ai là, pardon, excusez-moi, le vernis j'ai dû le retoucher là, donc il se recale bien là, il se recale bien, impeccable, je reconnais la voix, c'est un truc de malade, c'est dommage que je n'ai pas démarré la vidéo avant là. Disons qu'au début on était que tous les deux là, comme ça, paf, et puis je manquais de motivation pour démarrer une vidéo. Ah chi. Par contre j'ai pas l'ordinateur pour avec moi là pour travailler la vidéo ce soir, mais bon c'est pas grave. Elle sera pas mise en ligne cette nuit, mais quoique, non, elle sera pas mise en ligne cette nuit, bon je verrai ça pour demain soir. Et autrement, ouais, non, mais Fredo, comme j'ai à l'instant, là, on était en QSO privé tous les deux, donc, bof, j'en voyais pas, c'est vrai que ça m'a pas, mais là, quand je l'ai entendu, je me suis dit, là, faut marquer le coup, hein. Là, il faut faire quelque chose, là. Ah ben, tu m'étonnes, ouais, ouais, mais quelle surprise. Ah, ben, franchement, j'entends bien, j'ai pas de ce genre de poste, non, bon après il manque peut-être un peu de stabilité là, tu vois tout à l'heure c'était redescendu, ça remonte, ça va faire un petit peu le yo-yo pendant un petit moment je pense. Attends, tu m'étonnes, après 15 ans d'inactivité de coco là, tu lui fais un choc là. Oh le Roger Bip, le truc de fou, c'est énorme. Ouais, ouais, là tout fonctionne dessus. Ouais, je reconnais bien là, ce Roger Bip de 3009. J'en ai deux au QRA, un gris qui marche plus, qui me sert de pièce détachée, plus un 3009 EL, c'est le dernier qui a été fait, quoi, avant l'arrêt complet de la production de la série des 3009. Alors celui-ci, il a un contour chromé et plaque avant noir brillant. Et, ouais, je reconnais bien ce Roger Bip. Moi, c'est
Je m'étais garé là devant un René Routier là qu'il y a là sur le en face à côté du port autour de Bassins, mais j'avais beaucoup de QRM. Alors j'espère ne pas faire jeter. J'ai trouvé un autre emplacement. Normalement là ça devrait être bon. Ouais putain là je suis j'ai la Garonne là sur ma droite là quand, avec le pont d'Aquitaine en ligne de mire. Là ça devrait mieux le faire. T'as même pas besoin de monter sur le pont là pour m'arroser, c'est top nickel. Hein. D'accord, ok. Et par contre, j'ai pas enregistré le prénom là, de l'OM là qui vient de se remettre en route. Ok Yannick, il n'y a pas de problème. Ah bah là je t'entends mieux. Ok, ah bah là c'est génial. Alors vas-y, dis-moi un petit peu là, tu reviens, parce que bon par moment j'ai du mal à te sortir. Tu reviens juste à la CB ou tu remets juste en marche ce poste? Non, je remets juste en marche ce poste. Il n'y a pas fonctionné. Oui, c'est une bonne année. Voilà, 39 Chrome. Enregistré. Ok, enregistré le break. D'accord, ok. Ah bah ben oui Yannick, mais je suis couillon moi, des fois moi. Ah, chie trois coups. Ben, bien sûr que je te connais Yannick. Ok, eh ben il marche bien. Hein. C'est vrai que là, là où je suis, là je suis en plein là, à cheval sur une voie ferrée. Là sur le bord là, du port autonome de Bassins. J'ai les grues là qui sont sur ma droite là pour décharger des bateaux. J'ai tout ça, j'ai même un bateau qui est à quai. Donc là, ouais, je suis quasiment là. Je dois être à quoi? Allez, on va dire à 100 mètres du bord de l'eau. Hein. Mais tu mets la masse dans l'eau et l'homme du coax, tu le branches à une grue, là, c'est bon. Hein. Ouais, affirmatif. Mais là, je vois un push arriver là du côté port. Je sais pas si ça va le faire longtemps. Si je le vois s'arrêter, ben j'aurais compris, il faudra que je dégage d'ici. Ouais. Ouais, ouais, là il est en train de me regarder. Et là c'est bon. Salut, c'est bon, voilà, on s'est dit bonjour. Ok, il a compris que j'étais pas là pour faire le con. Il m'a vu le micro à la main, donc c'est tout bon. Ah, je trouve que
c'est un peu plus faible que tout à l'heure quand même là. Je sais pas si non, la puissance ça règle pas là-dessus. T'as pas abusé de ton côté, non, je pense pas, mais ouais, j'ai l'impression que c'est plus faible. Moi je me dis pas plus loin du micro, c'est moins percutant que tout à l'heure. Autant tout à l'heure ça percutait un peu plus, ou c'était la modulation qui était un peu plus aiguë, et je t'entendais mieux. T'as pas besoin qu'il va clapser de suite là comme ça d'un coup, non, c'est pas possible. N'oublie pas qu'il y a eu un break. Ok, en avant la station qui a breaké tout à l'heure avec les bandes 73. Ouais, ouais. C'est bien Michel sur Blanc, il y a une petite station, il y a plus fort que moi, mais c'est la plus petite station du Blanier, voilà, Rémi, retour. Ok, les 73 à toi, Pierre-Michel de Blaye. Voilà, de la part de Dandy 33. Rémi, en mobile actuellement sur le port autonome de Bassins, pas très loin de Pointe-le-Pro. J'ai un peu d'avance. Je m'attendais à être bloqué par des manifestations, ceci, cela. Et puis en plus, on est, on va dire, entre guillemets, à la veille des fêtes de fin d'année. Je m'attendais à pas mal de monde sur la route et tout ça, et puis en fin de compte, non, ça a un peu trop bien roulé même, on va dire. Hachi, retour Pierre-Michel. Ok, vous avez un bref qui s'est signalé derrière. Je salue Yannick, mais voilà, qui est très loin là-bas. Je salue, plus la station qui m'arrive plein pot, mais vous avez un bref qui s'est mis derrière. Ok, enregistrer le break, ben retour sur Yannick qui vient juste de remettre un 3009 en route après 15 ans d'arrêt. À toi Yannick. Ok, 1033, il n'y a pas de souci. J'espère que ça fonctionne encore parce que apparemment ça, la radio déconne un petit peu, mais bon, on va lui pardonner, je pense, à ce poste. On lui pardonnera. Voilà. Ah, je suis trois coups, la modulation est un petit peu nasillarde là par rapport à tout à l'heure. Mais bon, c'est un petit peu normal aussi. Le 73 de Rémi d'Andy 33 en mobile sur le port autonome de Bassins. Non, il part en couille, c'est ça? Non, je plaisante. J'ai vu que c'était un petit coup de frayeur là. Petite frayeur. Non, ça marche bien. C'est juste que là, il s'est posé sur le 565 piles. Il n'y a plus de décalage et moi, j'étais resté sur le plus 10. Donc voilà. Forcément, la modulation n'est pas la même. Non, il s'est posé là, voilà, il se balade un petit peu en fréquence, tout simplement. Mais je te salue bien, bonne bidouille là, par la suite, et surtout au plaisir, voilà. Et fais-nous d'autres surprises comme ça, on sera ravis. Ah, ça c'est possible, j'ai d'autres postes à mettre en route, mais je verrai. Ok Yannick, j'espère que je suis module personne. Du coup Yannick, la modulation est bonne. Je me suis recalé, j'ai retouché un petit peu le clarifier. Et là, c'est du tout cuiro. Je parle trop fort, je gueule dans le micro. Ça sert à rien. Quoi. en fin de compte, il marche vraiment bien. Hein. Là, il n'y a pas de problème. C'est une excellente radio. Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, là tu pourras pas écouter la vidéo demain parce que quoique. Bon, je vais voir. J'ai pas ce qu'il faut là avec moi là. J'ai pas l'autre PC là pour travailler la vidéo là cette nuit. Mais je vais voir ça. Je vais essayer de tenter le coup demain matin en débauchant. Ça peut peut-être le faire. Il faut que j'essaie. Ah, chi. Ouais. Là, ça me tente bien là. Ok Dandy, il n'y a pas de souci. Et pour information, je t'ai aperçu quand tu étais à ton travail aux
mois de décembre, au début décembre, au Bangalore, je ne sais pas si tu te souviens. C'était pour Noël, tu dis pas pour laquelle boîte ça c'était, mais ça sera même, je t'ai aperçu bosser en costard. Affirmatif, d'accord, ok. Par contre, il y avait du monde, c'est pas la peine que tu te décris, parce que là, je saurais pas te dire, ah oui, je me souviens, non, ce sera pas le cas. Ok, bah, c'est super ça. Ok, pas de soucis, je te vois de temps en temps au boulot, au poste de garde. Allez, bonne après-midi, bonne soirée par contre. Ok, bah, le prochain coup que ça arrivera, tu me diras, oui, c'est moi, quoi. Et comme ça, sur 2 secondes, là, vite fait, comme ça, en passant, ça sera sympa, quoi. Ok, et puis si on ne se recopie pas, bon réveillon. Pour la bonne année, on verra ça après. Et pas de soucis, merci, 73 bailles plus tard. 73 bailles. Oui, Pierre-Michel, tu as dit qu'il y avait un break tout à l'heure. Retour sur toi, parce que de mon côté, je ne l'ai pas entendu. Vous étiez 2 et puis 3, ça fait 3. Alors je vais faire un retour pour voir qui était derrière, s'il veut rentrer, s'il veut la prochaine, le voyage derrière. Oui, mon voisin, pourquoi n'aurais-je pas la patience d'attendre? Tu sais que, étant à la retraite, j'ai tout mon temps, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et puis ça réconforte un peu de voir qu'il y a des hommes qui malheureusement sont obligés d'aller travailler. Voilà, donc je te salue Pierre-Michel, je salue Dundee 33 en mobile, que j'entends fort bien sur le blague aussi. Et puis Fredo, eh bien, je le salue aussi, en espérant que tout le monde m'entende. Voilà, mais mes priorités au mobile. 73, donc Rémi, Alain, Blaye, à ton écoute, enfin à l'écoute de l'ensemble du PSO. Tiens, mais ça, tu passes les 73 à toi, les bonnes amitiés de cette fin de journée. Au niveau modulation, tu passes tellement fort que ça m'en fait vibrer un peu le haut-parleur. C'est à ce point, quoi. Il faut dire aussi que là, je suis à quoi? Je suis à 100 mètres là, du bord de l'eau. Hein. Là, carrément, là, sur le port autonome de Bassins, dans un endroit où... bref, j'en dirai pas plus. je suis assis, je suis sur les rails de chemin de fer là, qui passe là, de ce côté-là. Donc j'ai le plan de masse des rails à Chi, j'ai la flotte qui est pas loin, donc tout ce côté-là, forcément, là, ça peut arroser. Hein. Pierre-Michel, c'est Fredo là, qui est au sud de Bordeaux là, qui t'arrive aussi fort. Voilà, retour à toi. Oh, ça y est, j'ai bouffé le prénom. Désolé, la station qui vient de rentrer, en plus je te connais, là, c'est n'importe quoi. Moi. Alzheimer à fond, hein, il me tient compagnie le con. Une petite station du Blayer, petite. Merci, mais retour, Fredo. Ok, merci Alain. Alain. 113, Pierre-Michel. Merci Alain. Voilà. La petite station du Blayer, 113 à toi aussi, Alain. Rémi, quand même, à ton âge. Ouais, mais tu vois, t'as bien fait de démarrer la vidéo là. T'auras clair de quoi faire joujou à ton prochain montage là. Ah ben Alain, celui qui n'entend pas, il est sourd. Mais je trouve la modulation relativement grave, ce qui n'est pas évident quand on a du bruit derrière là, comme j'ai actuellement au QRA là, j'ai les enfants qui font les branques là. Je suis obligé de mettre à fond et c'est dur à sortir quand même. J'ai pas l'oreille pour les graves. Mais pourtant j'aime bien, hein, mais ça manque de clarté. C'est tout simplement ça. On a compris, Fredo, tu préfères entendre une YL au micro? Un chi trois coups. Ouais, pourquoi pas, ouais. À la limite, ouais. Au contraire, en plus, on en manque. Non, quand t'as du bruit derrière, c'est pas évident. Le problème, le manque d'YL sur la radio, ben c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui sont pour beaucoup, hein. Parce que moi, j'en ai connu dans les années 80 ou 90. Pierre-Michel ne dira pas le contraire. On en a connu pas mal, entre autres sur le Blayer. Et elles sont parties parce
parce qu'elles ont été plus ou moins dégoûtées. Elles se faisaient chambrer à chaque fois, hein, par certains OM qui étaient peu délicats. Voilà. Et c'est pour ça, hein, mais sans quoi ils en auraient, hein, je pense. Il y en a chez les radioamateurs, et pourquoi ils n'en auraient pas sur le 11 mètres, hein. Voilà. Il y en a quelques-unes. Je retourne le micro du côté de mon cher voisin, que je salue au passage, et je n'ai pas entendu Bernard. Voilà. Donc je te retourne le micro. Pierre-Michel, j'en profite pour saluer Rémi, Fredo, et puis je te salue Pierre-Michel. Et je passerai après le week-end pour te présenter mes voeux, puisque je pars demain matin, et donc je ne rentrerai que mardi ou voire mercredi. Allez, à toi le micro, Pierre-Michel, et bonne soirée à tous. Je ne reprends pas, je me contente de vous écouter. Ok, merci pour le jour. Oui, je viens de prendre un mordule, que vous voyez partir. Une temps que l'autre avait connu, une temps que vous voyez que... J'avais été récupéré avec les filles qui sont partis, bon, on n'a fait pas ça. Et puis, tant qu'on verra, je n'ai pas allé hier soir, je n'ai pas écouté avant qu'il y en ait plus. Dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'il est parti rejoindre l'ami, voilà, Alain là-bas, mais aussi, tu n'étais pas parti, et je n'étais pas allé trop loin, moi, la fille, ça a eu sa terme là, mais pas comme ça. Ok Alain, les 73 à toi, de toute façon là je suis à quelques minutes. Allez, encore 5 petites minutes et je m'en vais au pro. Bon, j'embauche à 18h, hein, j'ai encore un peu de temps et puis là je suis à quoi? Je suis à 3 minutes, là. À 3-4 minutes du site, là c'est bon. Là pour moi, là je suis vraiment à côté. Là. Ok, Pado qui reprend, mais 73 au plaisir, hein, et puis bon périple là pour... Pour demain, mais Rémi, si je comprends bien, t'es plus qu'on avance. Enfin, tu étais plus qu'on avance. Oui, comme je disais tout à l'heure, il faut vraiment que je baisse, je gueule dans le micro, je me rends compte, je me casse les oreilles au passage. Ah, chi, excellent. Lui. Mais comme je disais tout à l'heure, je m'attendais à trouver là sur des blocages, sur pas mal de circulations et tout, là au passage là, de Libourne avec Carrefour qui est à côté, ceci, cela, les gens qui profitent à dernière minute pour faire les courses et ainsi de suite. Donc je m'attendais vraiment à trouver du monde, à ce que ce soit compliqué. Et puis du coup, non, ça a roulé comme n'importe quel autre jour, sans rien du tout. J'ai bien vu les gilets jaunes au rond-point là de à Libourne, au rond-point là qui enjambe, qui est à côté là de en surplomb on va dire de la rocade de Libourne, mais pas de réel blocage. Pourtant j'aurais bien aimé tomber dans... Si je dis ça, j'aurais envie de dire ça en déconnant, mais non, en plus j'aurais bien aimé tomber dans une souricière pour avoir le plaisir d'appeler mon patron, de dire bah, désolé, j'étais pas au courant, mais bon voilà, je suis tombé en pleine manifestation, aucun moyen de m'échapper, j'ai une voiture qui bloque derrière, ceci, cela, enfin bon bref, mais j'ai pas eu cette chance, donc je passerai pas la nuit avec eux, c'est bien dommage, mais plutôt au pro. Ah non, mais tu croyais pas t'en tirer comme ça, attends. Putain non. Et puis de toute façon, il y en a un ou deux qui t'auraient reconnu avec ton chapeau, et puis ils t'auraient laissé passer, hein, ils t'auraient pas séquestré. Ouais. Donc t'aurais été obligé de partir bosser. Ah mais les fameux gilets jaunes, ouais, et bon, moi je les avais oubliés ceux-là, tu vois, un petit peu. C'est vrai que le mouvement c'était relativivement... Il y en a certains qui ont plutôt, on va dire ça comme ça, essayé d'étouffer le truc. Mais ouais, tu vois, aujourd'hui j'avais complètement zappé. Je n'ai même pas regardé la télé pour voir ce qui se passait. Je n'ai même pas été voir non plus sur le Facebook s'il y avait quoi que ce soit là sur Bordeaux d'organiser. Je n'ai même pas regardé les webcams, voir si les routes étaient bloquées ou quoi que ce soit. Non, à vrai dire, j'avais complètement zappé. Tu vois, je n'avais pas du tout pensé. Moi j'avais pensé, je crois, le week-end dernier, je crois que c'était pour aller faire les courses là, de dernière minute pour les achats de Noël. Je suis passé ric-rac.
mais toi aussi, tu vois, aujourd'hui, t'es passé ring-crack dans le bon intervalle. Ça se trouve, tout à l'heure, ça aurait été merdi, parce que je crois que j'étais sur Mérignac, là, il y a quelques jours, c'était infernal, il y avait du monde partout sur la rocade. Hier soir, je suis passé au-dessus de l'autoroute qui mène à Toulouse, je crois. Il y avait du monde dans les deux sens, en pagaille. Là, c'est bien tombé, c'est tout, hein, on va dire ça comme ça, un coup de chance. Ouais, coup de chance, je sais pas. Ça a failli m'arriver une fois, justement. Je commence à me frotter les mains. Putain, grosse déception, aucun blocage. Je me suis dit, bon. Pourtant, bon, c'est notre pouvoir d'achat à tous hein, qui défend. Hein. Ben bon, bref, passons. Je suis en train de regarder l'heure. Elle est encore un petit peu. Quoi. Ok. Eh ben. Ouais, justement, tiens, je suis en train de repenser à Yannick. Effectivement, la joie en plus en ce moment, puisque toi, Fredo, tu vas de temps en temps là sur le forum, là, tu as encore des nouveaux. Hein, et encore des nouveaux qui reviennent à la CIBI par la même occasion. Donc là, c'est impeccable. Que ça soit sur le groupe Facebook, sur les groupes Facebook, ou sur le forum La Planète CIBI francophone, en ce moment, ça y va, les nouveaux. Putain la vache, le monde appelle le monde. Hein. Donc, plus on fera parler de la CIBI, ceci, cela, sur Internet, autour de soi, et plus ça deviendra intéressant, et plus les gens auront envie de revenir. C'est, là, c'est bon, ça. Mais on ne peut espérer que ça aille dans ce sens, hein, pour la nouvelle année. Ça fera partie des objectifs pour beaucoup de monde, je pense, dont toi le premier, c'est sûr. Tant mieux, il faut que ça continue comme ça, dans ce sens-là. Oui, bien sûr, je suis le forum, là, régulièrement, j'y vais faire un petit tour, là, et je constate la même chose. Beaucoup de nouveaux, et puis alors c'est très éparpillé hein. Dans toute la France, il n'y a pas vraiment de... Bon, c'est vrai, il y a le Nord quand même beaucoup, on va dire ça comme ça, hein. Ouais, il y a quand même plus le Nord que le Sud. On coupe la France en deux, alors le Nord ou le Sud. Il y a beaucoup de Nord, ouais. Ouais, ouais, il y a